Le but principal, c'est avoir une jeunesse émergente. Quand je suis arrivé, ce que je m'étais fixé comme idée, c'est d'avoir un groupe de jeunes gens qui peuvent développer leur zone. Avec support soulé, soit conseil ou bien nous sommes capables de dire petit matériel que nous utilisons, l'association a avancé très très bien. Nous participons dans des concours à l'aide de support soulé et conseil du tout à Port-au-Prince et dans les verrettes encore avec support, lui, nous représenter dans le théâtre et nous représenter avec des gens de l'atelier ça, qui sont ateliers. Nous avons une idée parce qu'auparavant, c'est avec des sachets bonbons. Moi-même, avec notre confrère, nous avons commencé à utiliser. Avec Backup Soulé, nous avons acheté plus. Et puis, au fur et à mesure, nous sommes capables d'avancer avec l'atelier. Et c'était la première idée, mettre en place un certain nombre de mécanismes qui va répondre aux objectifs de Rio plus 20 et en même temps créer une économie verte. Imaginez, vous secourez l'environnement, vous ramassez toutes ces bouteilles-là, au lieu de les brûler ou bien les jeter ailleurs encore qu'elles soient encombrantes, mais on les recycle, on les recycle pour avoir un petit revenu. C'est ça l'économie verte. Avant de faire partie des membres de l'association Jeune ça, moi j'étais un petit genre égoïste. Ça veut dire que moi j'étais fonctionné moi-même seul. Je ne peux pas partager ça avec les jeunes. Mais depuis que j'ai intégré mon dans à JVDC, je suis venu à une autre conception, je suis venu à un autre monde. Et comme ça, je voulais partager ça avec tous les jeunes qui viennent. Vu la situation économique des jeunes, la JVDC a élaboré un plan avec tout un programme pour effectivement que les jeunes talents, dans n'importe quel domaine que ce soit, puissent améliorer les conditions de vie. De la littérature, de l'art, en passant par l'artisanat et en terminant sur la peinture, ce que l'association est en train de faire sous nos conseils, c'est d'avoir un maximum de jeunes, les former pour en fait qu'ils fabriquent et qu'ils vendent.